gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce, la bonté de l'Éternel soit avec vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour la grâce, pour la bonté, pour sa miséricorde, lui qui nous a offert ce moment merveilleux, afin que nous puissions venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, le célébrer et le rendre gloire. Que la bonté de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu soit avec vous, que l'Éternel se montre puissamment dans votre vie, que vous expérimentez encore et encore la bonté de l'Éternel, vous expérimentez encore et encore la puissance de Dieu, que la grâce, la bonté de l'Éternel soit avec vous, lui qui est puissant. Je vous dis merci, je bénis l'Éternel pour ce moment. Merci d'avoir disposé de votre temps pour qu'ensemble nous puissions venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, le célébrer, le rendre gloire. Avant toute chose, nous allons prier pour dédier ce moment à pleine main de Dieu, pour recommander, pour demander la présence de Dieu nous assiste. Là où vous êtes, j'aimerais vous demander, vous supplier, si vous pouvez abandonner durant quelques minutes, durant quelques temps, ce que vous êtes en train de faire, de telle manière qu'ensemble nous puissions se consacrer à notre Dieu. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté. Nous voici encore une fois devant ta présence, Seigneur. Je sais que, Seigneur, tu nous as accordé 6 jours dans la semaine. Je sais une chose est vraie, que le 7e jour t'appartient. C'est pour cela, avec ensemble, avec ton peuple, nous venons auprès de toi pour te célébrer, te louer, te rendre gloire. Que ton amour, que ta bonté se manifeste dans notre vie. Comble-nous de joie et de paix, de telle manière que nous puissions te célébrer, te louer, te rendre gloire. Toute l'honneur et toute la gloire revient à toi, éternel notre Dieu. Montre-toi, éternel Dieu, puissamment, afin que nous puissions contempler tes bienfaits, célébrer ton nom. Ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons amen. Oui, encore une fois, je vous dis shalom, je bénis l'Éternel pour la grâce et pour la bonté. Je rends gloire à Dieu pour son amour, pour ce moment merveilleux qu'il nous a offert d'être devant sa présence, le célébrer, le louer, le rendre gloire. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bonté de l'Éternel et que la puissance de notre Dieu se manifeste dans vos maisons. Lui qui est puissant, l'Éternel est merveilleux, il est bon, il est agréable, que les bien-aimés demeurent ensemble. C'est là où l'Éternel déverse la bénédiction. J'implore toutes sortes de bénédictions de Dieu dans vos vies, dans vos foyers. Que l'Éternel se montre puissamment dans votre vie et que vous expérimentez la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Que vous expérimentez la puissance de l'Esprit de Dieu et que la bonté, la grâce, l'onction de Dieu se manifeste dans votre vie, dans vos foyers. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom encore une fois. Paix et tranquillité, grâce et bonté dans vos vies. Expérimentons et expérimentez la bonté de l'Éternel. Je sais que l'Éternel est merveilleux. Il a préparé des choses agréables pour nos vies, pour nos foyers. Que l'Éternel se montre puissamment dans notre vie, afin que nous bénéficions encore et encore de la grâce, de la bonté, des bienfaits de Dieu. Grâce et faveur dans vos vies, que l'Éternel vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore une fois dans vos maisons, afin que de prendre un petit moment. Un petit moment devant la présence de Dieu, un petit moment afin de partager la grâce, afin de partager la bonté de l'Éternel, afin de célébrer notre Dieu, afin de bénir l'Éternel, de glorifier l'Éternel pour toutes les bonnes choses que l'Éternel a accomplies et a réalisées dans nos foyers, dans nos vies. Pourquoi ne pas venir auprès de l'Éternel? Cet après-midi, je suis venu te dire tout simplement, s'il y a un seul mot que je dois te dire, je suis venu te dire tout simplement, lève-toi et prends courage, il t'appelle. Oui, je suis venu te dire, lève-toi et prends courage, il t'appelle. Oui, Dieu t'appelle, Jésus t'appelle, ton Dieu t'appelle, lève-toi, prends courage. Bien-aimé, il arrive dans la foulée, il arrive des fois dans la vie. Il arrive, il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui affectent nos vies, il y a des choses qui menacent, qui dérangent notre vie. Et de par laquelle que nous nous posons la question, il y a des découragements qui peuvent nous affecter dans des moments, dans des certaines réalités que nous traversons dans la vie. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je viens te dire, lève-toi et prends courage. Quand je te dis, je viens te dire, lève-toi et prends courage, tout simplement, comptez sur la grâce de Dieu et comptez sur l'amour de Dieu. Malgré les réalités que vous êtes en train de traverser, que nous sommes en train de traverser, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne cédez pas devant toutes sortes de réalités qu'on peut traverser. D'où vient cette expression que je viens de mettre pour notre culte de cet après-midi? Et cette expression vient simplement de ce qui a vécu Bartimée. Qui était Bartimée? Bartimée était un mendiant connu. C'est un homme qui voyait avant, mais à un moment donné, selon la précision de la parole de Dieu, cet homme a perdu la vie. A perdu totalement la vie. Il ne pouvait plus voir. Il est devenu mendiant. Il était la référence de Jéricho. Tout le monde savait Bartimée parce que par son accoutrement, par sa manière
de demander, de demander. Mais un jour, Bartimée a trouvé une opportunité que Bartimée ne voulait jamais lâcher dans sa vie, ni abandonner. Bartimée a trouvé une opportunité qu'il ne voulait pas, ou que cette opportunité-là puisse traverser. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais enseigner un foyer, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, c'est notre opportunité que nous avons reçue de Dieu. Jésus-Christ, c'est ton opportunité que Dieu nous a offert, que Dieu nous a donné. Jésus-Christ, c'est l'opportunité de cet après-midi. Jésus-Christ, c'est l'opportunité de ta vie. Jésus-Christ, c'est l'opportunité qui va t'aider à s'en sortir. Là où c'est impossible, là où tu ne peux rien faire ni accomplir, là où tu sens que tu as des limites, que Jésus-Christ est l'opportunité de ta vie. Jésus-Christ est que Jésus de Nazareth soit l'opportunité de ton foyer. C'est l'avenir. Peu importe ce que tu peux vivre ou traverser, comptez sur la grâce de Dieu, ainsi que sur la bonté de l'Éternel. Si tu dois compter sur la grâce et sur la bonté de l'Éternel, voici un moment merveilleux que Dieu nous donne, que Dieu te donne, de telle manière de saisir l'opportunité de profiter de toutes sortes de bénédictions que Dieu a mis à ta disposition. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, Dieu a conçu un projet de paix et de bonheur. Si tu es en train de subir des moments difficiles, traverser des moments complexes, des moments dont tu te poses des questions, quand est-ce qu'il y aura de bonnes choses? Quand est-ce qu'il y aura une ouverture pour ma vie? J'aimerais juste te rassurer, oh, soyez serein, car l'Éternel connaît tes problèmes, car l'Éternel est capable de répondre à tous tes soucis, à toutes tes difficultés, là où rien ne va. Ton Dieu est capable de répondre. Voilà pourquoi je viens d'expliquer que Bartimée était un homme indigent. Bartimée était un mendiant. Il était aveugle, non pas aveugle de naissance, mais aveugle. À un certain âge, il est devenu aveugle. Laisse-moi te dire, il y a aussi des enfants de Dieu qui voyaient certaines choses, qui voyaient certaines réalités, qui voyaient et qui expérimentaient certaines choses dans leur vie. Mais il s'est arrivé. Tout est bloqué, rien ne va et rien ne change. Il n'y a pas de meilleure solution, rien ne donne, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bons résultats. Rien n'est bon dans sa vie, rien n'est bon dans ta vie. Il y a des choses négatives qui persistent dans votre vie. Tu fais des choses, tu veux avancer, mais tu recules toujours. Tu veux progresser, mais quelque part, il y a quelque chose qui te retient. Tu veux avancer et des gens sont contents. Le fait que tu demeures dans cette situation, dans cette position, l'ennemi est serré et est joyeux. Laisse-moi te dire une chose. Oh, si tu comprends la puissance de la parole de Dieu, si tu comprends que les projets que Dieu a planifiés pour ta vie, au grand jamais, tu céderas devant l'ennemi. Au grand jamais, tu vas permettre à l'ennemi de dominer dans votre vie. Au grand jamais, tu dois permettre que les choses négatives de l'ennemi puissent prendre de vie dans votre vie. Bien-aimé, il est nécessaire de savoir si nous rencontrons, si nous trouvons l'opportunité, comme Bartimée avait trouvé l'opportunité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, nous aussi, nous devons exploiter toutes sortes de possibilités pour dire à Dieu, non, je ne cesserai jamais de crier, je ne cesserai jamais d'implorer Dieu tant que je n'ai pas touché ma bénédiction, tant que je n'ai pas vu le résultat que j'attends dans ma vie, tant que je n'ai pas palpé des projets que Dieu est en train de préparer dans ma vie, tant que je n'ai pas encore entré dans la joie. Oh, l'ennemi peut vouloir, l'ennemi peut à te faire taire. Mais la Bible dit, lorsque les gens cherchaient à faire taire Bartimée, Bartimée criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Marc chapitre 10, verset 49, « Plusieurs cherchaient à lui faire taire, mais la Bible dit que Bartimée criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Bien-aimé, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, « Tes cris feront en sorte que Jésus puisse s'arrêter dans votre vie !» Tes cris feront en sorte que tu vois les résultats auprès de ton Dieu. Tes cris feront en sorte de dominer en fait toute forme de découragement. Laisse-moi te dire que l'ennemi a des projets de décourager les enfants de Dieu, de décourager les peuples de Dieu, d'amener des choses négatives, d'amener des mauvaises choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais plutôt, j'aimerais rassurer à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, malgré des problèmes, malgré des situations, malgré réalité que nous sommes en train de vivre, que vous êtes en train de vivre, ne cédez jamais, n'abandonnez jamais, ne lâchez pas, ne cédez pas, malgré toutes les circonstances ou les réalités que nous pouvons vivre. Bien-aimé, accroche-toi à ton Dieu, accroche-toi en espérant, accroche-toi dans la prière, accroche-toi à la face de Dieu, accroche-toi en bataillant jusqu'à ce que tu verras où la main de Dieu ou la grâce de Dieu va opérer dans votre vie. Oh, que l'Éternel te soit favorable.
Que tes voix, que ta voix soit entendue au ciel. Oh, que ta voix domine tous les obstacles de découragement de l'ennemi. Que ta voix domine toutes formes de découragement que les hommes peuvent amener, que le monde peut amener, que les nations peuvent amener, que la pauvreté peut amener, que l'échec peut amener. Oh, que des choses négatives peuvent amener. Oh, l'heure est arrivée pour un enfant de Dieu de dominer toutes ces choses-là, de dominer toutes ces réalités-là qui peuvent t'affecter, qui comble ta vie, qui domine ta vie, qui t'oblige à croire qu'il restera ainsi, qui t'oblige à accepter le fait en disant que rien ne pourra changer dans ma vie. Non, j'aimerais rassurer à un enfant de Dieu. Bartimée voulait voir des choses changer dans sa vie. Oui, il est aussi possible que Dieu est capable de changer aussi des choses dans votre vie. Dieu est capable de changer aussi ta situation. Dieu est capable de ramener vivant, oh oui, de ramener vivant tout ce qui est mort en toi. Dieu est capable d'opérer au-delà de tes capacités. Dieu est capable, oh, de rendre visible ce qui est devenu invisible. Dieu est capable de t'aider, de t'assister de telle manière que tu puisses encore à toucher ou palper la bénédiction de Dieu. Dieu est capable de t'aider à expérimenter la puissance divine. Dieu est capable de t'aider. Mais laisse-moi te dire, je reviens encore une fois en arrière. Ce sont tes cris qui fera en sorte que la capacité de Dieu s'opère dans ta vie. Ce sont tes cris qui fera en sorte que Jésus s'arrête devant ta vie. Que ce sont tes cris qui fera en sorte que tu expérimentes la bonté de l'Éternel. Ce sont tes cris qui fera en sorte que tu vois la main de Dieu. Ce sont tes cris qui fera en sorte que tu vois réellement que ton Dieu est vivant. Ce sont tes cris qui fera en sorte que tu vois que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Ce sont tes cris qui fera en sorte que tu expérimentes que nous prions un Dieu véritable et un Dieu vivant. Oui, laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer, ton Dieu est vivant. Laisse-moi te dire encore, ton Dieu agit, ton Dieu répand sa grâce au milieu de son peuple et que l'amour de Dieu s'est manifesté encore dans ta vie. Laisse-moi te dire, si tu es comme Bartimée, que si tu as des gens qui tentent à te faire taire, il y a des découragements, les découragements viennent de l'ennemi, les découragements, l'ennemi peut te décourager tout simplement par rapport à tout ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, l'action ou l'œuvre de l'ennemi ou l'attitude de l'ennemi, c'est de te décourager, de t'amener à lâcher ou abandonner, de t'amener à céder l'espace pour l'ennemi, de t'amener à déclarer forfait par rapport à ta situation, de t'amener à dire que maintenant que rien ne pourra marcher et que rien ne pourra changer dans ma vie, de t'amener à accepter ta situation. Oh oui, je viens par la foi à travers la parole de Dieu rendre la vie d'un enfant de Dieu rebelle. Oh, rendre un enfant de Dieu rebelle. Pourquoi rebelle et comment rebelle? De telle manière que tu puisses se rebeller pour dire par rapport à ma situation, par rapport à ce que je suis en train de vivre, oui, cette situation ne restera pas éternellement. Non, ma vie doit changer. Non, il y aura quelque chose de nouveau. Oui, il y aura de nouvelles choses. Je ne resterai pas mendiant, même si le monde, même si les sorciers, même si mes amis, même si les gens veulent me voir pleurer, mais moi, je ne vais pas pleurer. J'ai compris une chose, que j'ai un Dieu. J'ai compris une chose, j'ai un sauveur. J'ai compris une chose comme Bartimée, que j'ai quelqu'un. S'il s'élève dans ma vie, s'il s'arrête dans ma vie, il y aura de nouvelles choses. S'il s'arrête pour mes enfants, il y aura des choses nouvelles. S'il s'arrête, oui, que Jésus s'arrête dans votre vie. Mais n'oublie pas, pour que Jésus s'arrête, c'est ton attitude qui va aider Jésus de s'arrêter. Ouais, Jésus, c'est ton attitude qui va aider. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus va s'arrêter, il te dira, les gens diront, ce n'est pas Jésus qui va dire. Les gens vont te dire, maintenant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oui, c'est ce temps-là, lorsqu'il arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tout le monde commence à comprendre que tu as un Dieu, lorsque tout le monde commence à comprendre que ton Dieu va agir, lorsque tout le monde comprend que le résultat que tu viens d'avoir, ça ne vient ni d'un homme, ni d'une nation, ni d'un chef, mais c'est l'Éternel qui s'est arrêté pour toi. Laisse-moi te dire,
pour les autres, je peux dire que Jésus ne peut pas s'arrêter pour la vie d'une personne. Non, Jésus ne peut pas s'intéresser à certaines personnes ou à certaines situations de la vie d'une personne. Mais j'aimerais rassurer un enfant de Dieu, comme l'aveugle de Jéricho. Oh, tu sois, même si tu étais une référence, une forme de référence dans votre vie, tout était connu dans votre vie. Tout le monde savait, oh, que ta situation était exposé à tout le monde, que pour lui, oh, il n'y a rien de bon, pour lui, rien ne va, pour lui, il est mendiant et il restera mendiant. Si tu prends conscience cet après-midi, si tu prends conscience que la parole de Dieu, c'est une puissance qui libère, si tu prends conscience cet après-midi que à travers la parole, que la parole de Dieu appelle en existence tout ce qui n'existe pas, j'aimerais te rassurer, ta vie ne sera plus la même. J'aimerais te rassurer, tu verras la main de Dieu. J'aimerais te rassurer, tu vas expérimenter la bonté de l'Éternel. Tu vas expérimenter combien notre Dieu est bon. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce n'est pas Jéricho. Aujourd'hui, c'est dans ta maison que la parole arrive. Aujourd'hui, oh, ce n'est pas Jéricho, mais c'est aujourd'hui que la grâce de Dieu, la voix de l'Éternel, la présence de ton Dieu est arrivée jusqu'à chez toi, jusqu'à ta maison, dans ton portable, dans ton ordinateur, peu importe l'endroit, l'évangile, la grâce, oh oui, la grâce du salut est entrée jusqu'à chez toi. J'aimerais dire encore un verset. Psaume chapitre 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux. Oh, l'Éternel est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère et riche à bonté. Laisse-moi te dire une chose, mes peuples de Dieu. Si nous comptons, si je te dis, lève-toi, il t'appelle. Si Dieu veut que tu te lèves dans votre vie, si Dieu veut opérer de nouvelles situations, de nouvelles dimensions dans votre vie, laisse-moi te dire, oui, l'Éternel est bon. Malgré tes péchés, malgré nos qualités, malgré nos défauts, la Bible me dit, lorsque Jésus voulait guérir, oh, Bartimée, il lui a d'abord déclaré, dit d'abord, oh, tes péchés sont pardonnés. Il a d'abord posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ta vie? Et Bartimée a répondu tout simplement, que je recouvre encore la vie. Je vois encore les merveilles de Dieu. Je vois encore, oh, comme avant. Je vois encore, oh, la vision que j'avais avant. Que j'expérimente encore la bonté de l'Éternel. Et Bartimée a déclaré, je recouvre la vie, que je vais voir encore. Père de Dieu, je ne sais pas si cet après-midi, il y a un enfant de Dieu qui voyait des visions avant, mais aujourd'hui, ces visions sont devenues rares. Je ne sais pas cet après-midi, si un enfant de Dieu qui expérimentait la puissance de Dieu ou la grâce de Dieu, que cela n'est plus là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, tellement tu te sens loin de Dieu, tellement tu es loin de l'Éternel, tu te poses des questions, est-ce que Dieu attend mes prières? Est-ce que Dieu attend mes cris? Lorsque j'écris à Dieu, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me répond? Est-ce que Dieu agit dans ma vie? Est-ce que la grâce de Dieu est encore sur moi? Est-ce que Dieu opère encore? Est-ce que Dieu m'est favorable? Oui, je viens auprès d'un enfant de Dieu, mais je voudrais juste te rassurer, l'Éternel, il est bon. L'Éternel, il est miséricordieux, il est riche en bonté, là à la colère. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui pardonne l'iniquité de son peuple. Il est un Dieu qui opère au-delà des capacités humaines. Il est un Dieu qui répond favorablement aux prières des pauvres ou aux requêtes de son peuple. Les requêtes de Bartimée a été simple. Il disait tout simple, je voulais voir de nouveau. Qu'est-ce que tu voyais avant et qu'aujourd'hui tu ne vois plus? Oui, qu'est-ce que tu voyais avant? Qu'est-ce que je voyais avant et qu'aujourd'hui je ne vois plus? Qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce que tu voyais? Voici ma question. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que tu voyais avant? Quelles étaient tes expériences? Oh, d'avant, quelles étaient tes expériences? Comment tu as expérimenté Dieu? Et qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant? Quelle situation que tu es en train de vivre maintenant? Oh oui, que Dieu fasse grâce dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu expérimentes la bonté de l'Éternel, que tu expérimentes le bienfait de Dieu, que la grâce affecte ta vie et que l'amour de Dieu se montre puissamment dans ton foyer, que tu expérimentes de toi-même, de vous-même, la bonté de l'Éternel, que tu expérimentes dans ta maison, dans ton foyer, que tu expérimentes encore et encore les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel, il est bon, il est merveilleux. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Sache qu'une chose, étant donné qu'il est riche à bonté, là à la colère,
malgré nos défauts, malgré nos horaires, mais la bonté de Dieu s'est encore manifestée dans notre vie. La bonté de l'Éternel a coulé encore dans nos foyers. La bonté de l'Éternel s'est encore coulée dans nos vies. Que la grâce de Dieu coule dans votre vie. L'Éternel, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche, et lent à la colère et lent à la bonté. Que la bonté de Dieu coule encore ou demeure dans votre maison. Que la bonté de Dieu puisse entrer dans ton foyer, que tu expérimentes la grâce de Dieu, que tu expérimentes la bonté de l'Éternel. Verset 50, les verses Marc chapitre 10, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et il se leva et vient vers Jésus. Ah oui, Marc chapitre 10, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et il se leva et vient vers Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, le manteau peut te retenir dans cette situation-là. Ton manteau à toi, quel est ton manteau? J'aimerais te poser, quel est ton manteau? Le manteau de Bartimée symbolisait la pauvreté qu'il traversait, symbolisait la mendicité, symbolisait une situation difficile, symbolisait des choses négatives dans sa vie. Le manteau de Bartimée ne représentait pas quelque chose de bon. C'était la référence de sa pauvreté. C'était la référence de sa situation. Bartimée, le moment où Jésus lui a appelé, il a jeté son manteau. Oh, est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'un peuple de Dieu cet après-midi peut jeter son manteau afin de dire à Dieu, oui, je viens auprès de toi, j'aimerais t'expérimenter. Je jette mon manteau parce que tout simplement que tu m'as appelé, la parole de Dieu t'appelle. La puissance de la parole t'appelle vers ton Dieu, t'appelle vers ton sauveur, t'appelle vers ton salut, t'appelle vers ta victoire. Que ton manteau soit jeté. Que le manteau de ta pauvreté soit jeté. Que le manteau de ta situation soit loin de toi. Que le manteau des réalités que tu traverses soit loin de toi. Parce que maintenant, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Quand je dis l'heure est arrivée, pour vous d'expérimenter la grâce de Dieu, pour vous d'expérimenter la bonté de l'Éternel, pour vous de voir la main de Dieu, de toucher, de venir vers Jésus, lui qui t'appelle. Les gens peuvent t'aider, lui dire, lève-toi, mais la meilleure courage, la meilleure capacité de se lever viendra proprement de vous-même, viendra sincèrement de toi-même. Que tu puisses t'élever en disant que Dieu m'appelle. Oui, Jésus m'appelle, malgré tout ce que j'ai traversé, malgré tout ce que j'ai vécu, maintenant j'attends la voix de Dieu. Maintenant, j'ai entendu Dieu m'appeler. J'ai entendu, Dieu, me répondre. J'ai entendu Dieu agir. Maintenant, je jette mon manteau et je viens vers Jésus-Christ. Oui, jette ton manteau, viens vers Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Des situations ou des réalités peuvent être complexes, désespérantes, des choses qui amènent même des découragements, des situations de plaire, des consolations et des problèmes sans réponse ou sans résultat. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous espérons à l'Éternel, laisse-moi te dire que l'Éternel fera des choses extraordinaires et que l'amour de Dieu va se manifester dans votre vie. Que l'ombre de la grâce te localise là où vous êtes. Que l'ombre de la grâce te localise ta maison. Que l'ombre de la grâce localise ton foyer. Que l'ombre de la grâce opère dans ta vie de telle manière que tu sois en mesure d'expérimenter la bonté de l'Éternel. De telle manière que tu sois en mesure de goûter combien l'Éternel est bon. Que tu sois en mesure d'expérimenter. Oui, l'Éternel connaît ton nom. L'Éternel nous connaît. L'Éternel sait en réalité combien de fois que nous avons échoué. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus t'appelle, c'est tout simplement parce qu'il a quelque chose à te donner. Donc, c'est-à-dire, quelle est la manière ou la meilleure façon d'appeler notre Dieu dans des situations difficiles, dans des moments très complexes? C'est la prière. Laisse-moi te dire, j'aimerais juste te poser une question: de quelle nourriture que tu t'alimentes? Vous savez, pendant le dernier et premier confinement, beaucoup de personnes ont pris du poids parce que des gens ont tellement mangé, des gens ont tellement consommé,
leur santé, oh, à la sortie des déconfinements, tout le monde avait de bonnes mines. Mais laisse-moi te dire, j'aimerais conseiller un enfant de Dieu. Étant donné que tu veux crier, tu veux la miséricorde de Dieu, tu veux voir la grâce de Dieu, tu veux non pas la colère de Dieu, mais que la bonté de Dieu puisse se manifester dans votre vie, j'aimerais te dire, alimente-toi, alimente ton corps, ton âme, ton esprit, de la parole de Dieu et de la prière. Alimente ton cœur, oh, de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alimente ta vie chrétienne par la parole de Dieu. Alimente ta vie de telle manière que tu expérimentes la bonté ainsi que l'amour de Dieu. Que Dieu se montre puissamment dans votre vie. Que Dieu se montre encore puissamment parce que la vérité de la parole est dévoilée pour nous aider, pour nous assister à recevoir davantage tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Oui, que nous recevons davantage tout ce que l'Éternel a mis à notre disposition. Que la vie de la foi ou la vie de la parole ne soit jamais loin de toi. Battons-nous, lutter dans la foi, lutter dans la prière, de telle manière que toutes les promesses de Dieu puissent se réaliser dans nos vies, dans nos foyers, que nous expérimentons encore et encore la bonté de l'Éternel et que les bienfaits de Dieu nous oriente, vous oriente, ainsi que toute votre famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à cette parole que Dieu vient de nous donner. Nous allons s'avancer auprès de l'Éternel, dire à Dieu, bénissez l'Éternel d'abord, parce que ces jours ne nous appartiennent pas. Les jours que nous sommes appartiennent à l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel, dis à Dieu, je suis là, je viens auprès de toi, je viens, je t'implore, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris que Bartimée voyait avant, mais maintenant il ne voit plus. De la même manière aussi que moi, telle chose, je voyais avant et maintenant je ne vois plus. Telle réalité que je voyais avant et que maintenant je ne vois plus. Avance maintenant auprès de l'Éternel, avance auprès de notre Dieu, demande à l'Éternel par la prière. Dis, mais voici Seigneur, je viens tel que je suis, fais-moi du bien, montre que ta grâce, oh, que ta grâce et ton amour remplisse mon âme, que ton esprit me rend capable, que ta bonté, que ton amour se manifeste. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, nous te bénissons pour la paix, pour ton amour, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous as offert de venir auprès de toi pour t'implorer, toi qui es notre Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te disons merci que la parole de ce soir prenne vie dans nos âmes, prenne vie dans nos cœurs, prenne vie afin de nous orienter, afin de nous guider, de nous aider à avancer dans cette direction de la foi. Malgré les réalités que les hommes peuvent nous amener, des choses que le monde peut nous amener, des choses négatives de l'ennemi, Seigneur, nous croyons et nous savons que tu es puissant, tu agis et que tu répands encore ta grâce ainsi que ta bonté. Que ton esprit opère dans notre vie, que ta bonté, que ta grâce, oh, inonde de notre vie et que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu nous guide et nous oriente. Seigneur, nous voulons s'élever, oh, auprès de toi, nous voulons avancer auprès de toi, nous voulons, oh, s'approcher auprès de toi, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu des grâces. Merci Seigneur éternel, notre Dieu, pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour la paix, merci pour la tranquillité, merci pour ces journées merveilleuses. Seigneur, nous ne voulons pas lâcher face devant ta présence, nous ne voulons pas abandonner devant tout ce que tu as tenté d'accomplir, de réaliser dans notre vie. Nous ne voulons pas céder. Seigneur, nous ne cesserons jamais de venir auprès de toi, toi qui es mon Dieu, toi qui es le Dieu des miracles, toi qui es le Dieu qui agit. Seigneur, répands ta bonté, répands ton amour, répands ta grâce, répands ton esprit. Nous voulons expérimenter ta présence, nous voulons expérimenter ta bonté dans nos vies, dans nos foyers. Nous voulons, oh, te voir, nous voulons, oh, Seigneur, oh, toucher ton amour. Nous voulons venir auprès de toi, implorer ta grâce ainsi que ta bonté. Merci Seigneur éternel pour ces journées agréables. Merci pour ces moments agréables que tu nous as offert, éternel notre Dieu. Afin que nous venions auprès de toi, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui déverses ton amour ainsi que ta grâce dans nos vies. Montre-toi dans nos vies, montre-toi durant dans la vie de mon frère, montre-toi dans la vie de ma sœur, durant ce temps de prière, que la puissance de Dieu couvre un enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Père, je prie Seigneur, comme Bartimée, je viens crier au nom de Jésus Seigneur, que je ne lâche pas face aux défis des réalités que nous pouvons traverser, que nous ne pouvons jamais lâcher ni abandonner. Seigneur éternel notre Dieu, montre-toi, toi qui es le Dieu de grâce, montre-toi, toi qui es puissant, montre-toi le Dieu qui est fort, montre-toi le Dieu qui agit,
montre-toi le Dieu de paix, le Dieu de bonté, que ton amour, que ta bonté, que tes bienfaits se manifestent dans notre vie, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu coule encore dans nos maisons et que la présence de l'Esprit de Dieu nous oriente au nom de Jésus, que la puissance de Dieu nous inonde au nom puissant de Jésus. Grâce et faveur, bonté Seigneur dans nos vies, bonté dans nos foyers, bonté dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus. Père, nous t'implorons, nous bénissons ton nom, toi qui es notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons bénir Dieu, nous allons adorer notre Dieu. La Bible dit, tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel, nous allons bénir l'Éternel, rendre gloire à notre Dieu pour toutes les choses, que les bonnes choses, pour toutes les choses que l'Éternel a accomplies, a réalisées dans notre vie. Voici un moment agréable pour vous et moi de s'approcher auprès de l'Éternel, de venir auprès de notre Dieu pour célébrer l'Éternel et rendre gloire à notre Dieu. Nous te rendons grâce, Éternel notre Dieu. Nous te bénissons encore une fois pour tes merveilles, pour la grâce et pour la bonté, pour ton amour ainsi que pour la paix et pour toutes les bonnes choses que tu as accomplies, pour toutes les bonnes choses que tu fais et tu as réalisées dans notre vie. Seigneur, nous te sommes pleinement reconnaissants. C'est pour cela que nous venons auprès de toi pour te célébrer, te louer, te rendre gloire. Nous venons te bénir pour la grâce, pour la paix, pour la tranquillité. Nous venons te célébrer car tu es le Dieu d'amour, car tu es le Dieu de grâce. Ton amour s'est manifesté encore dans ma vie, dans mon foyer. Pour cela, je viens te célébrer. C'est pour cela que nous venons te rendre gloire, nous venons te bénir. Toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui nous donnes la paix. Seigneur, montre-toi dans nos vies, montre-toi dans nos foyers, montre-toi dans ces moments de prière, montre-toi que nous expérimentons ta bonté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton amour se manifeste dans notre vie, que la grâce coule encore dans nos foyers. Seigneur, que tes merveilles nous inondent et nous rendent capables. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous venons te célébrer, te bénir. Je loue ton nom, Seigneur, pour toutes les choses que tu as accomplies dans la vie de ton peuple. Je loue ton nom pour toutes les choses que tu réalises dans la vie, dans nos foyers. Je loue ton nom pour la paix, pour la grâce. Je loue ton nom pour ta bonté, pour ton amour. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu de grâce, toi qui es le Dieu de bonté, que ton amour, que ta bonté, que ta miséricorde se manifeste encore et encore dans nos vies. Seigneur, fais-nous du bien par ta grâce ainsi que par ta bonté. Fais-nous du bien, Seigneur, par ton amour. Fais-nous du bien, Seigneur, par Seigneur, par ta présence. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous t'implorons, toi qui es notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier Dieu, nous allons demander à l'Éternel. Demande à l'Éternel la protection de Dieu dans ton foyer, dans ta famille. Demande à Dieu que Dieu se manifeste et que la grâce de Dieu descende dans ta vie, que la grâce de Dieu inonde ta vie et que l'Esprit de Dieu se manifeste et que la puissance de Dieu comble ta vie de toutes sortes de bénédictions. Père éternel Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus. Père, laisse que la grâce coule dans ma vie, que ta grâce inonde et enveloppe ma vie. Descends dans ma vie, comble-nous de joie et de paix. Toi qui es le Dieu des miracles, le Dieu qui soutient, le Dieu qui inonde et qui remplit. Seigneur, que ton amour soit déversé dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descend et couvre ton peuple au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui soutient, le Dieu qui se révèle au milieu de son peuple. Que ta bonté, ton amour, que l'Esprit de Dieu nous oriente durant ces temps dans nos vies, dans cette relation avec toi, notre Seigneur. Toi qui es riche à monter là à la colère, que ta miséricorde coule dans notre vie afin de nous aider, afin de nous libérer de toute forme de captivité, la captivité du péché, la captivité du malin, que nous soyons libérés au nom de Jésus. Libère-nous du mal, délivre nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de toute forme de mots ou de toute forme des esprits qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, que ta bonté, que ton amour s'opère et nous rend capables. Car tu es le Dieu de grâce, que ta bonté, ton amour nous inonde. Tu es le Dieu qui nous guide. Tu es le Dieu qui nous inonde par ton amour ainsi que par ta bonté. Seigneur, à ce jour merveilleux, que Seigneur, je viens encore une fois te célébrer. Je viens encore une fois te rendre gloire. Je viens bénir ton nom. Je viens célébrer ton nom pour des signes et des prodiges que tu accompli, pour la grâce et pour la bonté, pour ton amour, pour la paix, pour la tranquillité, pour ton haut, pour les oracles que tu as accompli et réalisé dans notre vie. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, que l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour la semaine. Demande à Dieu que la semaine soit remplie de bénédictions, que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu s'opère dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je libère la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu affecte la semaine que nous allons débuter au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, que l'action de Dieu, la puissance de Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus. Seigneur, montre-toi, toi qui es le Dieu puissant, le Dieu qui agit. Seigneur, comble-nous de joie et de paix, afin que nous puissions expérimenter ta bonté, ton amour. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre et que
que la présence de Dieu et que la bonté de l'Éternel nous inonde au nom de Jésus. Seigneur, fais grand nous de vrais adorateurs. Assiste-nous, aide-nous à adorer en esprit et en vérité. Seigneur, que la semaine, que la protection de Dieu soit durant la semaine dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, que la puissance de Dieu comble notre vie dans le nom de Jésus. Et que la grâce, la bonté de l'Éternel se montre encore puissamment dans le nom de Jésus. Tu es notre Dieu, tu es ma force, tu es ma capacité. Montre-toi afin que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Seigneur, nous bénissons au nom de Jésus. Il n'y a que toi, au nom puissant de Jésus. Restez maintenant calme. J'aimerais encore prier. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu des miracles, le Dieu qui nous donne la paix, que ton amour se manifeste dans notre vie. Merci pour ce temps, pour cette montée. Merci pour ton esprit. Merci car tu nous as disposé, Seigneur, durant ce temps, que ta bonté, que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Comble-nous de toutes sortes de bénédictions afin que nous bénissons ton nom. Montre-toi, toi, quel est Dieu tout-puissant, afin que ta bonté ainsi que ton amour nous inonde. Je libère la bénédiction de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Localise chaque enfant de Dieu qui est connecté à ce programme. Que l'amour de Dieu comble leur vie et que la paix de Dieu, l'esprit de vie, l'Esprit de Dieu, Seigneur, se montre dans leur vie. Seigneur, sois avec nous. Que la parole de Dieu prenne place dans leur vie et que cela apporte la vie dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce, la bonté de l'Éternel soient avec vous. L'Éternel est merveilleux, il nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment vous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonté et grâce au nom de Jésus-Christ, que la paix, l'Esprit de Dieu opère dans votre vie, que le Seigneur se montre puissamment, lui qui nous a donné ces brefs moments de prière. Merci, que Dieu vous bénisse, surtout que d'avoir disposé de votre temps et de venir auprès de notre Dieu pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu. Que la paix, la grâce de l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel se montre puissamment, que l'Éternel vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Accrochons-nous de Dieu, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne cède pas devant le fléau des réalités. Les temps sont difficiles et complexes, mais nous savons que la victoire nous appartient. Nous savons que la victoire de la croix est en notre partage. Que Dieu vous bénisse, paix et tranquillité et joie dans vos maisons. Et que l'Éternel vous couvre de toutes sortes de bénédictions. Je pouvais rester le plus longtemps possible avec vous. Que ces temps que nous venons de prendre devant la présence vous portent toutes sortes de bénédictions, de joie et de paix, de tranquillité au nom de Jésus. Que vous expérimentez encore et encore la puissance ainsi que la grâce de Dieu dans vos maisons. Je vous aime beaucoup. Je libère toutes sortes de bénédictions dans votre vie. Bénédiction, tranquillité, paix et joie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, je vous dis shalom. Paix et tranquillité, bénédiction. Reçois la paix, la joie, la tranquillité. Que la semaine soit remplie de bénédictions, l'amour de Dieu dans votre cœur. Et j'aimerais juste spécifier, par la grâce de Dieu, au moins chaque dimanche, je viendrai vers vous. N'abandonnons pas Dieu dans ces temps-là que nous sommes. Accrochons-nous de Dieu. Ne lâche pas, malgré les citations, les réalités. N'abandonne pas Dieu. Comptons sur la grâce et sur la bonté de l'Éternel. Et Dieu fera des bonnes choses. Shalom dans vos maisons. Paix, joie, bonté. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.